Approchez, mesdames et messieurs, prenez place, on va commencer. Dépêchez-vous, il ne reste que 16 places. 14, 12, 27. On dit des chiffres au hasard, mais ça leur met la pression. 18. Sur les deux mille, t'en as déjà 18. Ouais. Ah, on est bientôt sold out. Dépêchez-vous, installez-vous. Non mais rapprochez-vous là. On va pas parler assez fort. Voilà. On nous annonce des températures entre moins 10 et moins 30, donc serrez-vous, vous aurez plus chaud. C'est encourageant, non? C'est encourageant, ouais. C'est tant qu'un peu dinard, ça. C'est ça. Bien, je vois un grand public qui s'amoncelle, c'est parfait. Il y a encore des timides dans le fond, mais eux, ben on fera avec. Ah oui. Vous pouvez prendre vos verres, vos tables, vos amis, vos familles et approcher. Non, parce que je vais pas parler comme ça tout le temps, hein. Mais prends la bouteille avec. C'est bien une bouteille, c'est fait pour partager. Viens, mon ami, viens. Bienvenue à tous à la 5e édition de Contes et légendes à la ferme. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour la projection du film Excalibur de John Boorman ce soir. Et vous pourrez profiter pendant tout le week-end de conteurs, danseurs, musiciens et campements ici même à la ferme du Châtel. Demain soir, nous vous attendrons pour un spectacle de feu ainsi qu'un concert du groupe Poupéré ici même. Il y aura aussi un bal folk pour clôturer le festival dimanche. Le festival ne pourra avoir lieu sans nos sponsors. Parmi ceux-ci, nous pouvons compter sur Alain Felou Provins, Procar ou encore la MJC qui nous permet de projeter tout ce soir. Nous remercions aussi la ville de Provins pour toute l'aide apportée à la mise en place du festival. La ferme du Châtel pour le droit, pour le prêt du lieu, parce que s'il n'y avait pas ce lieu-là, le festival ne s'appellerait pas Contes et légendes à la ferme. Et je remercie aussi bien sûr tous les bénévoles, ceux qu'on ne voit pas, les petites mains qui sont dans l'ombre, et grâce à qui le festival ne pourrait pas se dérouler. Et merci aussi à vous, public, d'être ici ce soir. Je vais passer le relais à Rémi. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va faire vite, avant pour pouvoir voir le film le plus vite possible. Donc petite chose, merci à tout le monde, merci à nos bénévoles, merci aux exposants d'être ici présents, car c'est aussi important d'avoir des exposants, à nos animations qui vont devoir mettre le paquet durant tout le week-end pour nous divertir. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on a créé le festival dans une cause importante pour nous, c'était de venir en aide aux enfants malades. On a créé ce festival il y a 5 ans pour un petit garçon qui nous a quittés le 17 mai à l'âge de 6 ans. Donc voilà, il est parmi nous ce soir et pendant tout le week-end. Voilà, merci beaucoup pour ces applaudissements pour lui. Donc cette année, c'est Contes et légendes en terre de Brie. Donc légende arthurienne en Brie, importante. C'était un travail sur 2 ans pour nous et surtout un travail d'un an pour arriver à une belle exposition avec les dames arthuriennes qui a été donnée durant tout le mois de juillet à la collégiale Sainte-Cyrias. Et surtout, c'est un travail immense, une collaboration entre Sarah et nous. Et pour ceci, on a besoin de te remercier encore plus que tout. Voilà, donc on a un petit cadeau pour toi. Voilà, donc bah, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis bah, encore merci à mes parents et à ma sœur pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, souvent tout le week-end. Merci, bon film et à ce week-end.